Nelson Yanzila, Coco Yasuka Moka, Ashka Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques, Bamamana Este, Bobatelama, Bobatelama, Nandameo. Shama motema pasie bana buna kana e zambe alola abatela bina zambe ostan dima beta 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 matusa beta matusa e e facte se l'équipe en casse la police nationale mama yo yo Mama Christian Chiwewe Le Jene Jene Patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongali Suba kanisa kanzoto eza kotonga Boye baka lokuta Ebo makanzoto Nana lelio bolingo ya papa e Papa Batela zoto e Yango ezali tepelo ya molimo Molimo monsanto e Baache bitu vya kusikiliza sikiliza bu maneno OM23 iko napigania mtu mwanasema lugha ya Kinyarwanda hapana. Hapana make ile ni faux et archifaux. Ni watu wenye bako na maintere zabo zabo zenye hauwezi jua. Unezi kuko mwile movement leres intereses zinapitaka akote. Na hautabijuaka. Japo uko pale wakati viti na inakuwa wakati risasi nalia anava me bingine byabo bya mubwate hautabijuaka alors watu waache kusikiliza sikiliza na kusikia kama bako nafanya nini M23 niko pale likia gombania mkongomani mwanasema lugha ya Kinyarwanda hapana hapana manaki na kenye mine zilomba gouvernement isaidie watu ku ima sensibilisation juu ba jeune baba toke yako baendelee kuifanya na mwatakuwa nakuya vile walitukaribisha njoo vile bakwenda karibisha wengine kila siku gouvernement inasema kama
Rwanda inasaidia M23 wei kama ulikuwa unashakwa mvuma, eske uliwahi kuangalia matrupe za Rwanda au wakubwa wa Rwanda bajeshi wa Rwanda wenye bako mu M23 kama ulikuwa kule? Unaweza tupatia temwanyaji? Asanti kwa swali. Mie nimekuambia kama nilikuwa mie place wakati nilifika mu M23. Nimekuambia kama nilikutania ndani na watu tunafamiana wakati ya Afdel, wakati ya RCD na CNDP. Habaku nikamataka banitie fasi kwenye bon kuko bimwa nilikuwa siwezi jua, maybe mingi nilikuwa nabiona na macho yangu. Nimekuambia kama sasa tulitokaka Kirumbu, nilipita naenda Bwiza bakanitumana kwa masomo kukosi ku formation, ilikuwa formation ya renseignement. Sasa nilifika pale balimu ba balinifundisha, haiko balimu ba kongomani, hapana, ni force yenye ilikuwa inatoka Rwanda, balikuwa balimu ba natoka Rwanda ndio balikuwa bananifundisha kuishi na watu. Sana nishajua diferencier meme tonalite ya mtu mwanezi, huyu iko nasema hii Kinyarwanda, hii Kinyarwanda haiko ya hapa, na huyu iko nasema Kinyarwanda, hii Kinyarwanda ni ya hapa. Unaweza kumbuka jina ya huyo wi mtu ambaye instructeur alikuwa anifundisha mu tactique, parce que tulikuwa na makuru wa tactique, balikuwa namuita Wanyix official. Ni instructeur alikuwa anatokea Rwanda. Kulikuwa mwingine walikuwa namuita Mugema, alikuwa sergeant, na Silas naye alikuwa sergeant. Yeye ndiye alikuwa anapana kuru ya renseignement. Sasa wale ni wa instructeur, est-ce que mutera wakati ya contact, wakati ya vita, troupe rwandaise ziko mu M23 juu ya kupiga wakongomani na ardhi yao? Ndio, troupe ya RDF iko sana banapatikanaka ndani sana, na hapo njoo banapana maranfor. Unaweza kutupatia? Jamais, au grand jamais. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République. Voilà, alors, merci. Madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine H4D, votre magazine d'information générale, que vous aimez bien suivre tous les jours sur H4D Magazine. Vous allez très bien, je pense bien. Moi aussi, je vais très bien. Et je suis content puisqu'aujourd'hui, nous allons rester dans l'est de la République démocratique du Congo. Regardez derrière, au Kanisa, un dessin. Mais non, c'est la nature, c'est... Non, l'est du pays, je sais pourquoi les Rwandais s'accrochent. C'est un endroit merveilleux, magnifique, à visiter, Sokinano, au visiteur STT, hein. Donc, yomona diaspora, yomona ya RDC, Kinshasa, OS. Vous pouvez, prendre juste, une semaine, y a congé, ok, qu'on visite Est. Y a des endroits vraiment, au Talibo Lobby, Seigneur, c'est Dieu qui a créé ça pour la RDC. Ce côté les menacés à Ngomba et à Niragongo. Au Tali, ce que Dieu a fait dans cette partie du pays. Au Kei, au Télémi Pembe, il y a Ngomba, il y a Nyamulima. Au Tali, au Lobby, non. Puisque comme on a Ngomba et Matiti, bien, on dirait Nzamba, Ataya Kako chaque jour. Donc, une partie, il y a montagne, côté na nuage. Une autre partie est Tikali. Donc, nuage, Ngomba, et puis, ça va. Non, c'est magnifique. Alors, c'est comme vous voyez là, derrière moi, nous sommes dans l'Est de la République. Dans l'Est de la République, de quoi nous allons parler aujourd'hui?
Je vais vous parler de cette sortie médiatique de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa qui a parlé. De quoi il a parlé? Pourquoi Corneille Nangaa parle? Visiblement, c'est une personne affaiblie. C'est une personne qui dégage un désespoir dans ses yeux, dans son regard. Je vais vous dire, puisque je suis tombé sur une enquête ou un article. Moutounaye Moko, parmi Baton Azolaksa, Moutounaye Moko s'est confié à un média étranger, à Sanzi Biloko, Corneille Nangaa. Je vais vous lire ça. Je vais vous présenter ça. Nalobi, ce que vous n'arrivez pas à honorer, les gens diraient que non, à honorer, à fabriquer, ainsi de suite. Donc, il s'est confié sur un média international et dans cette interview, c'est vraiment un échec total. Alors, il envisage aller où, pour quel motif et qu'est-ce qu'il a déjà commencé à faire? Je vais vous donner tous les détails aujourd'hui puisque c'est notre travail. Nous sommes toujours dans l'Est de la République démocratique du Congo, là où tous nos cœurs, nos âmes et esprits, chaque jour ça passe pour dire de quoi il est question. Est-ce que vous allez bien? Vous avez bien commencé le week-end? Mais le vendredi, on a vu que l'objet samedi, mon toit à la précédente, ma solo est à Ebele, photobéta. Alors, je suis content et pour bien vous aider à passer bien vos week-ends, votre week-end, n'oubliez pas que le week-end avec cacao, ça, hein, vous avez équilibré. Vous avez équilibré le week-end. Donc, ne manquez pas votre cacao. Et tous les contacts pour avoir votre cacao, tous les contacts sont là. Piquez juste un numéro, appelez et vous en avez. Si vous avez une question, c'est la même chose. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je pouvais bien vous dire. Et puis, Bandekoya Loterie, le numéro est toujours en jaune. Il reste quelques jours. Nous allons commencer la loterie proprement dite. C'est d'ici début octobre. Je crois les 5 ou les 6. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Les numéros sont là. Nous avons déjà de milliers et de milliers de personnes. Quand je dis des milliers, plus nous appliquons pour beaucoup de personnes, plus aussi beaucoup de personnes sont sélectionnées. C'est ça la loi de la nature. Donc, vous appliquez pour 100, vous voyez que peut-être sur la fréquence, il y a 100, peut-être Moutoumoko. Mais si vous appliquez pour beaucoup, le nombre de Bangwana, il y a aussi beaucoup qui sont sélectionnés. L'année passée, 287 de 12 pays. Donc, tout ça, alors, donc, faites un numéro. Vous faites un numéro, vous dites, vous écrivez à ce numéro, je suis intéressé. Vous envoyez à ce numéro en jaune. Je suis intéressé. L'année dernière, Tobeta a à peu près pour 14 000 de personnes. Mais on a eu quand même un bon nombre de personnes sélectionnées. Parce que bon, ça déjà mis ça, mais les statistiques montrent qu'on a fait du bon travail. Alors, chers amis, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Commençons par la situation de la RDC. Je vous ai toujours dit que la RDC, il y a beaucoup de situations. Chaque jour, il y a toujours des situations. Alors, comme par exemple, nous sommes avec vous depuis Luanda, Bana Luanda, je vous salue. Et puis, HK, parlez au moins du dossier Bokangalonzo. Ah, dossier Bokangalonzo. Toko Lobelango. Dossier Bokangalonzo, c'est bon. Je ne sais pas, Bokangalonzo. Bokangalonzo, Kinshasa, c'est combien de kilomètres? Est-ce que je vous ai annoncé que je serai à Kinshasa d'ici quelques jours? Bokangalonzo, Kinshasa, c'est combien de kilomètres? Parce que nga moko na kokumba na keya. Na keita la pe makamba ondengeza. Tokeipe, Toluki, les sénateurs, Totala. Justice s'est dit déjà incompétente, n'a évité. Dans un pays, au Congo, sur les sols congolais, on vous explique une situation et que vous arrivez à comprendre, dites-vous qu'on vous a
très mal expliqué. Chers amis, gardez ça en tête. Souvenez-vous d'Honoré, à tout moment que vous serez devant une situation, on vous explique en RDC et vous comprenez. Dites-vous que non. Si j'ai bien compris, donc, ce monsieur m'a très mal expliqué. Puisque s'il vous explique dans le sens normal, pour comprendre. Mais ce qu'a expliqué un instant à ma B, pour comprendre. Comment est-ce que dans un pays, la justice est là, on appelle justice, Kostungabatu, Kokate la batu ba problème, Oyazan a raison, Azo a raison, Aye, Oyazan a tort, Azo a tort, Aye. Na RDC, il y a des individus. Bako Sambi Sabatu tout, mais il y a des individus qu'on ne peut pas. Bako Vani Sabamo à la barre, Tek Bosamba. Alors qu'il y a cette justice-là, dont on voit. Oh, bah, mon akana, Europe, États-Unis, Afrique, d'autres pays. Mais en RDC, il y a des gens qui sont au-delà. Donc, la loi est ici. Non, la loi est ici. Est-ce que vous avez compris? Si oui, vous avez compris. Donc, je vous ai mal expliqué. Donc, non. Bon week-end à tout le monde. Bon vendredi. I love you. Alors, donc. Puisque vous vous rappelez que le dossier à Bokangalozo a été ping-pong. Cour constitutionnelle a été, et que la Cour de cassation a été, et que le Conseil d'État a sauté, et que il y a Tilelo. Mais la justice est là, elle marche bien, et tout est normal. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, donc, c'est un peu ça. Togobet Alisolo, merci beaucoup. Je note ces dossiers-là parce que il faut que nous avons un dossier. Très bien. Secrétaire, ma mission est là. Chers amis, après l'émission, on peut avoir vraiment une idée générale. Ça fait du bien quand même. On a déjà une famille, non? Nous sommes déjà une famille. Je vous aime bien. Alors. Bana Lubumbashi, Bana Likasi, et pas maman, Bana Kolozi, et pas maman Fifi Masuka, je vous salue et je vous souhaite une très bonne émission. Alors, chers amis, d'abord une information. Vous avez suivi que, puisque ce qui se passe au niveau de l'Afrique nous inspire aussi, les présidents sénégalais, Boubi Kombonaye, Bajeno Bakoti Kalate. Il a déclaré, malgré les problèmes qu'il a constaté dans le Parlement, il a déclaré que son Parlement, son Assemblée nationale est dissoute. Ndenge na France Basalaki, Ndenge na Bamboka Moussousou Basalaki. Je vous montre un extrait. Il y a vidéo, Rona. Comme ça, vous avez la peine à idée si vous n'avez pas suivi. Si vous avez suivi, je pense que je peux passer très rapidement. Je pense que je peux passer très rapidement puisque beaucoup me disent qu'ils ont suivi ça. Alors, je peux vous montrer la vidéo. La vidéo, bon. What is it? Non. Ok. Bon. Na moni vidéo on est boy. Ezape ya batu ya chaîne ya Libanda. Je souhaite ne pas forcer les choses quoi. J'essaie un peu. Je trouve que c'est un peu compliqué. Je m'excuse. Je ne diffuse pas cette vidéo parce que na moni ezo simbaté na chaîne Abisso. On n'a pas un correspondant là-bas. Eza vidéo na Abissoté. Mais les présidents Sénégalais abîmé à l'objet n'a bomi Assemblée nationale. Et tout de suite, Pessina a dit, est-ce que Marambo Yondengezo et Bandi Boye, Macron, Sénégal, est-ce qu'on peut vivre ça aussi en RDC un jour? Moi, je pense que c'est mon souhait. Mon souhait, pourquoi? Puisque l'idée n'a pas été que ce qui parlement, Nengeza Taye, Nengoana. Je dis que le président Kamere était sur le point à côté de la candidature en 2028, en 2023.
Batichette, il y a Kamer et président, Maputa et Bima, j'ai vu ça. Alors, est-ce que Bakoki cause à la attente, entente, je voulais dire, entre les gouvernements et l'Assemblée nationale, s'il y aura une proposition de loi, peut-être visant à rectifier ou changer, peut-être donner une prolongation, ou comment dirais-je, comme ce mandat, peut-être, il y a Félix Tshisekedi Mamoulaye. Est-ce que vraiment Makambongwe vous allez bien? Moi, je vois beaucoup, beaucoup de questions et puis flouées, ça m'accasse. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, sans compter Makambouya Samalukonde, qui ne m'a jamais convaincu, parce que vous savez que Samalukonde, il a fait plus de 3 ans, près de 4 ans même, 3 ans, Nandam. Après Vieille Lunkamba, c'était Samalukonde. Samalukonde qui n'était pas en mesure de nous donner ni permis de conduire, ni carte d'électeur, non, ni carte d'identité, ni dossier. D'abord, il y a passeport. Maintenant, là, ça chauffe. Il nous a laissé toutes les situations d'un côté là. Mais la politique du président de la République a toujours été mise en pratique, interprétée par le premier ministre. Donc, Makambuto, toujours Sengana. Donc, Tosengi, Toseli, que ça, Makoya, Bongisa. Franchement, moi, je suis parmi ceux qui sont déçus. Est-ce qu'au Sénat, ils nous feront un bon travail? En tout cas, nous leur donnons d'abord un peu moins chance pour que ça là, ce qui peut être possible. Je me dis, est-ce que Félix Tshisekedi, donc pour lui, avec les parlements, c'est toujours aller jusqu'à la fin du mandat et puis laisser la place à quelqu'un d'autre. Déjà avec, puisque chaque manière, il y a qu'à placer des pions sur terrain. Ça envisage déjà, Openda, ça, c'est une équipe qui gagne. Ça, c'est une équipe oubliée. Oubliez ça. Batumusu Bazar, Batali, Klasimati, Naboyuko, Salaba, AVC, Nakela. Il y a des gens comme ça. Donc, alors, moi, quand je vois l'architecture ici, je me dis, peut-être un jour, on passera par la formule sénégalaise. Koboma, Parlement. Mais Sénégal n'est pas aussi comme la RDC, hein. Ni en termes de population, ni en termes de gouvernement, ni en termes de taille à pays. RDC pour que tout ça, l'élection, dans 1 mois ou 3 mois, n'est-ce constitution et lobby, ce n'est pas facile, hein. Alors, est-ce que le président... Bon, beaucoup de questions, mais je ne pense pas. Moi, en tout cas, la pratique actuelle, je ne pense pas que le président peut dissoudre le Parlement. Parce que s'il dissout le Parlement, là, il a le pouvoir de le faire. Mais là, vu, puisque ma machine, j'ai appris qu'il y a des machines portées disparues à presque partout. Ma technicien, oh, bah, foutu à m'acquitter. Parce qu'il n'y a qu'il y a la machine, monsieur. Les machines, je pense qu'elles ont raison. Ils ont dit que ma machine en dengwana, il n'y a pas que vous allez la route. Si c'est chez moi, avec mon équipe intelligente, tu as bloqué en réunion, tu es allé jouer. Mais est-ce que les machines déjà parties, la base de données, c'est Panzana Nango, est-ce que le président peut organiser ce genre de choses dans 3 mois? Pour le cas de la RDC, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Il y a peut-être l'élection, Anna. Peut-être c'est ni à Zongé là-bas. Bon, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne souhaite pas vous amener dans des hésitations, dans des... Mais bon, c'est un peu ça. Mais cet exemple nous a beaucoup inspiré. Alors, si nous quittons là-bas, les 4 présidents, il y a pas institution. Non, bon, oui, président, il y a pas institution. Bah, quand on dit il y a pas institution, ils étaient reçus par le président de la République. Je me disais que je pouvais montrer ça, mais pas pour y rester longtemps, mais c'est pour peut-être montrer que il y a je crois y a des personnes qui m'ont contacté en disant le président est malade. On a vu, oh, le président est malade. Pendant qu'ils me disent que le président est malade, le président, les 4 présidents, Baza, président de toutes les institutions,
du pays. Donc, il y a les institutions du pays, il y a le président lui-même, il y a le gouvernement représenté par Maman Judith Suminwa, il y a le parlement représenté par les deux membres du deux présidents de deux chambres, il y a aussi les cours et tribunaux représentés par le président de la Cour constitutionnelle, en même temps qu'il y ait les présidents du Conseil supérieur de la magistrature. Les chefs, et là, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Alors, je vous laisse peut-être juste un petit extrait, Botala, et puis je reviens à vous. Mon ami, vous qui m'avez posé la question, si le président de la République est malade, je vous dis non, il n'est pas malade, je l'ai vu. Nakata vidéo, comme tout le monde. Et puis, j'ai vu que ce n'est pas comme quelqu'un qui pouvait avoir un problème, qui a un problème tout de suite. Je pense que la personne qui vous a donné cette information vous a menti. Alors, je vous partage l'écran, juste un petit extrait et je reviens à vous. De quatre institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Samalou Kondé, la Première ministre Judith Suminwa et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée ce jeudi 12 octobre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont débattu pendant plus de 3 heures autour de la première institution du pays garant de la nation, des questions d'intérêt national relevant des domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point de cette grande réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale, de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain, et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement, et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide, puisqu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour plus que les plus grands. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons aussi suivi les orientations du président de la République en ce qui concerne... Bon, vous allez m'excuser puisque moi, à tout moment que VK Alobaka bien, mais tout ce qu'il dit très souvent, puisque, comme par exemple là où il dit que le chef nous a demandé de voir comment je n'ai pas le temps d'écouter ce genre de choses. Puisque VK Asalina à la tête du ministère de l'économie, il fallait au lobby, le colosse parole au lobby. Donc, tout à la comment qu'on matisse l'économie, n'engue na outu comme ça là quand je venais d'être. Ça donne quand même. Ils ont passé l'élégance à Koloba comme ça là, commenter, puis là on est en démoi. Mais tout ce que vous nous dites là, vous étiez là. Pendant que vous êtes là, priez Zomata. Et quand vous revenez avec un tel discours, les gens diront quoi? Automatiquement, les gens vont dire que si les gens vont nous dire,
C'est ce que les gens me disent. Vous savez, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Il faut, au lobby peut-être, bon, je ne dis pas il faut, je n'ai jamais été impoli, j'ai dit. Donc, au Kokaki Koloba, au Moninengue Nautu Kosala, quand j'étais encore ministre ici, plutôt équilibré, Ndengwana, Tosalaki Ndengue Boye, au Moninengue Makendaki, dans Kotaki Biloko, Massango et Zaki Akomata, Makéina gouvernement Koloba, Massango en Afrique du Sud, Soki Nazambi, l'air Tozongi, Massango 3 mois, Tobimisi Abiso Massango, oh, il y a Libanda pris Ekiti, puisqu'il y a Bissu Akati, et comme il est belé sur le marché, il y a eu maintenant concurrence parfaite. Oh, et ça dit que, oh, il y a Oezo ou Talibanda, Batax, Vanin, Ekita, Tokitsango, oh, il y a local, Ebomiango. Faut qu'on le voit. Ah, cet homme, il ne fallait pas vécu à sa parole. Moi, je pense qu'il ne fallait pas vécu à sa parole, puisqu'il n'y a pas une référence, il n'y a pas un modèle. Alors, tout ce que vous racontez là, et Kobanda Wapi, et c'est Salemato que vous allez inventer maintenant. non. Et puis, je vois un autre truc là. Non, nous allons faire en sorte que Batax, écoutez, moi, je donne. Bon, Batuming Balingarate n'a pas cet exemple là. Exemple Nabino. Tout Congolais qui est à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Kananga, ainsi de suite, au Congo, il y a un régime des obayés dans la facture. Facture des apports pour contribuer na caisse à l'État, bon raison de soutenir pour entretenir matériel, ainsi de suite. Ce qui baille, Bakoko, tu n'es pas un mobile, tu n'es pas un facture. Ce qui est un lobby, tu n'es pas un baille, ce qui est commis à la porte du ministre. Alors que c'est lui qui travaille, c'est lui qui est payé, c'est lui qui a un salaire faramineux. Mais ne nous dites pas ce genre de choses. Ça énerve. Ce déséquilibre là social, moi je l'ai vécu. Et tout Congolais qui suit vit ça chaque jour. Au Congo, on va contenir ce qu'il y a dans ma tête. Il y a une. Au Congo, on a moussous tout ce qui va se faire dans la tête. Et comme donc, on a 4 mois, on a 4 mois, on a 4 mois, on a 4 mois. C'est comme ça que même le conteneur, il y avait 4 qui nous parle. Il vient de parler au président. Et il y a qu'un matériel à construction, il y a un conteneur et maison fabriquée. Maison est tirée à Kokanga, mais ce qui est conteneur et bima, escorté, je repars Liboso. Ah bon. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui ont accepté ce discours. J'ai douté, mais dans la question, puisque je voulais vous montrer que le chef est en vie. Il est en bonne santé, il n'est pas malade, ni évacué comme les gens le disent. Et je souhaite m'arrêter par là. Est-ce que je vous ai frustré? Ranobi Mabe, c'est de l'expérience que j'ai, ma vie sociale, ma vie sociale, que je parle beaucoup. Donc, Ashka Botika Koreve, ah, Totka Koreve Nini, il est pressé. Akabate déjà au pouvoir naïe azo bokanisi que bat misa toana bat bon ici il y a pas question de l'UDPS. Peut-être tu confonds les choses. L'UDPS, même ce qu'a lobby qui a conservé pouvoir naïe, c'est logique, ma parti politique n'y a plus de 1000 objectif na bango isa qu'on arrache le pouvoir entre les mains de celui qui le détient. Et ce qui va arracher un mot, l'autre objectif, c'est de les garder le plus longtemps possible. L'UDPS peut, si l'UDPS arrive à faire quelque chose, à manigancer, l'UDPS est au pouvoir, veut se décider que tout le monde a le pouvoir, est-ce que moi j'ai le mandat, vous avez le devoir de dire à l'UDPS, non, vous vous retirez. Et ça l'a raté. Surtout en Afrique, ils l'ont raté. Aller dire ce genre de choses au Cameroun,
aller dire ce genre de choses na Ouganda, to na Rwanda, to na Congo Brazzaville en face, vous aurez votre propre réponse. Donc, ne soyons pas des sentimentalistes, en fait. Vous trahissez des pèses à enjoy, à ce que l'on pouvoir na y, tant na y. Et puis, vous ne pouvez pas vous faire une stratégie, vous ne pouvez pas arracher. Et dans le rôle de la ligne, il y a une ceinture na y en jeu. À ça, une ceinture, il y a une ceinture qui tout pour conserver le pouvoir na y. Ceinture na y. Ne condamnez pas l'idée pèses. Donc, c'est un faux débat ici. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé de ça. Alors, chers amis, je vous ai parlé d'ici, je crois, là, hier, je vous ai parlé de je vous ai parlé de Mitumbamoko Zalakina Bweremana entre les Wazalendo et les terroristes du M23. Je répète, les terroristes du M23. Je sais que les M23, les terroristes en chef est en colère, puisque pour lui, vous ne pouvez pas appeler vos frères et sœurs des terroristes. Moi, je les appelle des terroristes. Alors, les terroristes ont été chassés et Namini Totozolo Bale Wazalendo sont en train de contrôler Bweremana. Mais à part Bweremana, je viens de recevoir encore, puisque les Wazalendo ont notre correspondant. Ma correspondant Nabiso Azana Bango, et ils sont en train d'avancer. Ils viennent de prendre, ils ont pris un autre village là. Je vous montre ça. C'est notre correspondant qui a publié ça. Il est à Goma. Je peux vous partager quelque chose. Je vous partage l'écran. Alors, vous allez voir les Wazalendo qui fêtent la prise d'une grande localité. Et quand les Wazalendo prennent comme ça, bah, souris tout. Bah, zolo bate. Mais, Bayoka, voilà. Ici, vous pouvez voir, c'est sur H4DI, hein, notre page X. Est-ce que vous avez le son? Laissez-moi. Oui, je mets le son. Ok. Bon, je coupe le son. Peut-être Miziko et Juana. Toko. Akondi Mayango Pete. Ici, ils sont en train de nous expliquer que nous venons de prendre à Tozana, village en Okomonani. C'est une grande agglomération. Bon, t'as la soki caméra na Etamboli. Bon, mona. Bon, mona, que ça a été publié par HK Today ici. Voilà. Bon, t'as la image, village Ndengezo Kendeza. Ezamonene Penza. Alors, Tolobi, vive les Wazalendo. Ils sont sur terrain et ils avancent. Si vous regardez, voilà, c'est une grande agglomération. Et Keitikuna, alors là, ce sont les Wazalendo qui sont sur terrain. Nous disons bravo, avancez les Wazalendo. Ne vous sentez pas seul. Vous êtes avec toute la famille HK Today, avec vous, derrière vous. Et je vois même Charlotte Kinga là qui dit HK Oleki Bango, Lelo, Masole Bandi. Il y a Corneille Nanga. Chers amis, donc, mettez-le moi quelque chose. Moi, like, puisque vous êtes Mouzalendo, moi aussi, je suis Mouzalendo. Nous sommes tous de Bazalendo, sans compter le premier, sans oublier plutôt, le premier Mouzalendo qui est le président de la République. Alors, chers amis, dossier Ezawa, Ezaya, Moumoni Awa, Napesi, photo d'illustration, Corneille Nanga, Bertrand Bissimo, na Lorenzo, Soki, Laurence Kanyuka, et puis wana comment il s'appelle, Oyazaki Nakatanga wana Kendaki. Donc, Corneille Nanga a parlé aujourd'hui. Quand moi je vous ai dit, quand Tshisekedi Félix a dit, que le président Joseph Kabila, il n'a même pas dit ça au conditionnel. Alobi, tel, Kabila Kout, ou d'ailleurs lui, il avait dit quoi? Je cherche, c'est là les sujets d'aujourd'hui. Il avait dit ça.
Bon, je reviens, je vais chercher la vidéo. Corneille n'a abîmé les lots, abîmé la tenue militaire. Corneille n'a abîmé, je ne souhaite pas montrer son discours. Boebi déjà philosophie n'a. Je ne peux pas faire parler un terroriste, un rebelle. Nako l'examen extrême, ok, pour vous montrer de quoi je parle. Nako l'examen, peut-être Nako l'examen est longue. Ndenge na tché na photo d'illustration, mais je ne peux pas lui donner sa parole sur ma télévision. Écoutez, la consigne. Le va peut-être être le terroriste en chef quand il parle. Ce qui tombe une contradiction, Makabwazo Loba. Au lieu d'un Loba Yango, les autres de l'autre côté disent que non, à Kangisi, à Salimontage. Yango et Moko n'a l'accès à un message. Mais tous ceux qui tuent ici, je ne peux pas me permettre de montrer leur visage à Zoloba, à Télémi, Congolais et Congolais, comme si c'est quelqu'un qui a coupé ses respect. Alors, Nakoloba ya corné nanga Nathalie, Azagana tenu. Mais n'a moni abimé na tenu. Abimé na ilor moko loko la baskote. Mana lobi, corné nanga, mais toi tu portes de gilet pare-balles, tu au stade la déclaration, il y a ma lobby, les lobes, ton lobby, ah, on connaît, n'en a pas marché sur Kinshasa. Et comme il y a ma boule, la scout. Bon, on a observé. Quand je regarde le message à Corneille Nanga, vous sentez vraiment la peur. Vous sentez vraiment la déception. Vous sentez vraiment que Nanga Aza est soufflé. Après, il dit, je vous invite à la révolte. Utilisez l'article 64. Chers amis, l'article 64, là, Onanga, utilise abusivement. Je peux vous chercher l'article 64. Azo benga ba Congolais, ba rejoindre yé, ba sale l'article 64. Mais Nanga était sur les bancs de l'école. L'article 64, Rwana et Zolo Babouy. Combattez. Bon, on a d'autres personnes d'une manière donc un peu il y a synthèse pour que n'a pas bien aucune idée. Bobundi Samutoyo, botelema, bo réclamer Bobundi Samutoyo à l'incozo pouvoir na makasi. To azo batela, azo kangama na pouvoir na makasi. À l'inco lâcher en côté. Il appelle les Congolais à l'obina discours na. J'ai pris seulement quelques points, hein. Je vous explique. Alors, le discours, n'a que j'ai fait appel à vous, boya tout ça de l'article 64. Mais l'article 64, ici, Corneille Nanga, qui a pris le pouvoir par la force, ou il faut que l'Ongolais le souffre par la force. Je ne pense pas, vous et moi, tout Congolais qui me suit maintenant, je ne pense pas que vous avez la moindre idée, Yako Kanissa, dans votre tête, qu'il y a quelqu'un à l'heure actuelle qui aurait pris le pouvoir par la force. Il faut les combattre. On a vu, c'est ce qu'elle dit, les élections, on a vu tous les processus. D'abord, il y a Liboso. Il y a 2018. Élection y est. Et avant fin 2018, fin 2023, pour que tous les gens aient l'élection, ils sont... Corneille Nanga prend des armes réclamant que Tshisekedi a pris le pouvoir par la force. Est-ce que vous pouvez vous rappeler? Quel est le signe qui montre que Tshisekedi a pris le pouvoir par la force pour utiliser l'article 64? Chers amis, c'est comme quelqu'un qui vous dit Bissotou, Tokende na bateau, avion et Zoya, SN Bruxelles, Tokende na Belgique, voyage na Bissot, et na port ya général Nanyo, Botang la rapport Moko. Nabi, est-ce que Corneille Nanga, comment comme la Masanga? Et il répète ça tous les jours. Non, il faut utiliser l'article 64. Chers amis, l'article 64, quelqu'un ne peut pas me copier l'article 64 très rapidement. On a dit un commentaire. On a dit ça sur l'écran. Alors, il s'accroche à ça. Utilisons, faisons l'application de l'article 64. Mais, à Botanique, la même constitution et le BIC, on le fait à l'unique cause au pouvoir. Donc, les Congolais ont droit de l'arrêter. Battez les que tu ne peux pas prendre le pouvoir par la force. Oyazan a pouvoir à détenir Yango.
à détenir Yango par la force. C'est-à-dire que, comme Kabila, Nengazalaki, a commis un soukamanda, et puis, a bandi qu'on doit pouvoir en alobi, n'a relâché. Là, on peut utiliser l'article 64. Mais Corneille Nanga, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé avec l'article 64? Très rapidement, mes assistants, where are you? I'm looking for you, guys. Donc, vous êtes où? Quelqu'un m'a copié l'article 64. Comme ça, tout un article 64, voilà. Ça, c'est une chose. Bon, j'ai vu que personne... l'article 64, tout congolais, voilà. Merci, Jason Chilombo. Merci beaucoup. Et regardez ce que dit l'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend les pouvoirs par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Prenez ça, copiez, coupez, envoyez à Corneille Nanga. Merci beaucoup. Merci, Jason. Alobi, tout Congolais a le droit de faire échec net na minito comme Nanga, puisque Eza Makambounaye. Je pense que ce message ici, il appelle tout le monde à faire l'application de l'article 64. Tout ça, vous comprenez ce que je vous donne comme explication. Si vous voyez que cette application, cet article ne concerne pas Tshisekedi, donc ça concerne Nanga, il faut utiliser ça contre Nanga. Je reprends. Tout Congolais, Congolais nyonso, azana makoki, ya kokweisa, moutou nyonso, to bato, basangani na groupe, balingi, bazui, tout individu qui prend le pouvoir par la force. Prenons le cas de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, en toute réalité des choses, en toute logique des choses, en novembre 2023. Tshisekedi qui tend vers la fin du mandat et qui a proclamé, qui a prévu les élections à la date prévue par la Constitution, il faut qu'on utilise l'article 64. Ça a un sens. Corneille Nanga, si on lui donne ça, un sujet à dissertation sur Tshisekedi. Est-ce que Corneille, moi je peux donner à Corneille 2 points sur 10. Tshisekedi qui arrive à la fin de son mandat, qui organise des élections malgré des difficultés, Zanga Katen à chaque élection en heure d'essai. Tout le monde est surchauffé, élection, élection. Corneille Nanga appelle les gens à appliquer l'article 64. C'est la première fois qu'il a commencé à utiliser ça. Si, dans votre conscience, hormis Motema Mabé, hormis un peu de haine qu'on peut avoir, si vous pensez que Tshisekedi n'est pas concerné par cet article, utilisons-le contre Corneille Nanga. Parce que Corneille Nanga, tu sors de dans ton coin où tu étais calme, tu sors, tu dis, je vais marcher sur Kinshasa. Nous allons utiliser l'article 64. Chers amis, j'essaie un peu de vous aider à comprendre que nous avons, vous avez les droits de faire échec à un individu, Nanga, ou à un groupe d'individus, Nanga et les terroristes de l'autre côté, pour faire échec. Qu'ils ne peuvent pas bouger les institutions puisque écoutent par la force. Toléki dans l'élection et Salemi, les candidats se sont prononcés. Campagne Betami, ba vote, ba comptage et bimé dans ba bureau. Tout le monde ba vidéo est tamboli. Et on proclame Tshisekedi président par toutes les institutions. Les jours suivants, Tshisekedi doit être attaqué. Utilisons l'article 64 contre lui. Est-ce que Nanga, avec tout le monde, au bazo l'andaye, les cas dans la classe, tout bazar, je ne sais pas. Posez-leur la question. Est-ce que Nanga, tu as été à l'université? Tu as étudié? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer cet article 64 avec Tshisekedi en face de toi? Par quelle magie Tshisekedi est en train a pris le pouvoir par la force? Il est en train de... Lui-même, il nous appelle d'utiliser cet article contre lui. Chers amis, je ne suis pas... Est-ce que je vous ai convaincu? Est-ce que je vous ai convaincu que Nanga nous appelle à utiliser cet article contre lui?
na logique zobo moto na mayele ozalaka na ona classe. Cet article, est-ce que c'est pour Tshisekedi ou c'est pour Onanga qui pense qu'il va marcher sur Kinshasa et prendre le pouvoir? Oh, bon commentaire, commentez-moi. Avant d'avancer, commentez-moi, je vais voir. Alors, à part ça, Nanga dit ceci. Nanga appelle, il appelle les forces armées de la République démocratique du Congo. Alobi, rejoignez-moi. Nathalie Nanga Zobenga, force de FARDC. Ah bon? Il croit que il y a de les FARDC au Tshisekedi à Dobunda Nango Boye. En tenue, en munitions, en formation, en équipement. Balongo va rejoindre les terroristes. Va rejoindre vraiment Nanga. Bon, je pense que peut-être. Nanga est en train de confondre armée Oyo à Monique et sa armée Oyo à Bahouta qui peut aujourd'hui, par contre, c'est décidé que tu rejoins Nanga. Moi, j'ai dit, Corneille Nanga, tu as échoué. Moi, j'ai vu l'armée qui est en train d'être formée. J'ai fait le tour ici dans des bases, dans des camps militaires. Je vous ai dit que j'ai eu l'autorisation. Peut-être que je suis le seul à avoir eu l'autorisation de filmer dans presque tous les camps et toutes les bases. Nathalie Narbi, c'est ça l'armée. Avec des formations pareilles. Je pense que Nanga, vous attendrez longtemps. Vous attendrez longtemps. La RDC est en train d'avoir une nouvelle armée. Il faut na lobisi nanga pour la première fois et la dernière. Et na loge yebala na ebisi puis en face de toi il y a un militaire force spéciale de la République démocratique du Congo et je l'ai fait tomber. Nanga ton appel là au kolokota ba tout ce qu'il y a comme dans les poubelles là au yabinoana. Oyo, oyo nani, soki numbia sala, oyo ba nini nyonsu wana, oko lokotabi, o wana. Les jeunes qui vont combattre à côté ya yo, oko zobangote. Bazate, oyo, que moi j'ai vu, bazate. Tu attendras longtemps. Alors, maintenant, Nanga siko, tellement qu'il est essoufflé, abandisko masolo, il y a un média étranger et Bengi Moko na batonaye au bazar sur l'écran. Donc, on a l'article 64. Article 65 est le vini. Est-ce que vous avez aussi l'article 65? Ne crois pas que Félix Ndé a zosa kanisa bango trop. Mokolo nini a zozikisa bango na bombe ya ba drone. Bon, maman, moi, c'est qui papa, Patrick Zala calme. Moi, je pense que tu sais que Diamessana Marquilate, il est en train d'observer, il est en train d'accumuler. Donc, à ta ballon, ce que mon pépé Keiti est tondi, ça va s'exploser. Ce que tu sais que Félix a dans la loco, la sanguinaire de l'autre côté là. Mais l'héros, donc l'héros, peut-être dossier à Nango, Kala, parce que c'est l'année. Mais, c'est un homme de paix. C'est un homme de paix. Mais la paix a une. Donc, la patience a une limite. Je dis, les jours où ça atteindra son paroxysme, tout va capoter. Je ne crois pas que Tshisekedi éternel, restera éternel patient. La patience a toujours une limite. Ça, c'est ma conviction. Hein. Je ne pense pas qu'il restera toujours patient, toujours patient. Peut-être qu'il va tout écouter. Après, ça va tout raison. Puisque, na liana ça, le sujet, moko sur Bibundeli, moko na monieye. Depuis, ils sont 2 semaines ou 3 semaines. Habi, ça aide à quoi? Toko lo batte, to bon baron. Mais Bilokwa Nanyos, et d'abord que tu sais qu'il a décoré
parcelle n'a été. C'est pour protéger la République démocratique du Congo. Je sais qu'il y a un jour, l'Afrique va avoir peur de cette armée ici. Kalaté, Kalaté, avec tout ce que nous sommes en train de voir. Alors, Nanga, prépare ton armée. Ne tiens pas compte, n'attends pas l'armée que tu sais qu'elle est en train de préparer. Tu ne l'auras pas. Ça, je te dis, tu ne l'auras pas. Batunayo nyoso na yakala ona wana bakoko nyoso bauta kuna bakota kota bango tu ba mata grade bakoza des combattants sur terrain oyo zana ba reposate ba ko combattre pona yo bazate mais tsoko tali lisi ya ba pays oyo ba congolais na milito bazana formation bazo ya bazo changame ba classe donc ba vague na ba vague. Batouana moutou azo nyokwama, azo foutambongo na ye, ya passe ya l'État. Bayako oyako zwabana wana bayano, venez ici, nous allons combattre un pouvoir pris par la force. Je pense que tu dois aller voir ton médecin. Il est donc je suis certain que peut-être la pesayo liste ya barkisi, et puis au Bosani nini, et là, est-ce que comme qu'on peut se trouble na moutou. Médias qui sont étrangers à Yéko, Kotuna, Motuna Yemoko, parmi Bato Misat. Mais le Kola Lobaki, qu'on a gardé anonymat, ici moi je souhaite garder l'anonymat. Voici ce qu'il dit. Il dit ceci. L'autre problème auquel nous sommes confrontés dans l'est du pays, c'est le manque d'adhésion populaire qui se traduit logiquement par un manque d'hommes. Motongwa se confie dans les médias à l'obicotang comme on en a été. L'adhésion populaire, je vous ai dit ici, que Banakivu, Ataba l'obicot Boza Bizengi en Dengenin, Nanga qui est de l'autre côté, il y a province orientale. Aseli qui basu carré, Batelemisi carré minier, Naye na Ituri, Banobiko exploité les sous-soutés. Atomboki, Azui Minduki a Yekuna, Banayakivu, Botandeli Nanga, tapis rouge, marche sur ça, tu es notre sauveur. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Moi, depuis le début, je me suis dit, je ne crois pas que Bato Bako adhère à la vision à Nanga. Même s'ils adhèrent, au Romana Boui Bazobina, El Moko Bazobina, Bazabatu Moko Balobi, Soko Binite na Poko Bako Yako Bomaye. Puisque Nanga, Balatiye na ba terroriste. Tabac criminel, il les tue sans procès. Comment on a besoin bien, besoin d'anzala, besoin d'un problème à Koloba, mais pas Koloba ni, besoin bien. Nanga tsiko amoninde ngwana bi, ah besoin nanga. Mais l'autre dit, nous n'avons pas trouvé cette adhésion populaire. Il continue en disant, nous n'avons pas trouvé cette adhésion populaire. Il y a aussi un problème, il y a manque d'hommes. Puisque cela se justifie par le fait que notre mouvement est appuyé par Kigali et souffre d'être associé à l'influence rwandaise perçue de manière négative dans cette partie de la RDC où nous sommes. Wana Salemi que mouvement na biso bimi que ezan appui à Rwanda. Exactement mouvement na bango a sale erreur makasi. Les lois zo la biso que non, moi je marche, je combat pour les lutter contre le tribalisme, le discours ya haine. Nanga depuis quand toi en RDC tu as entendu parler de la haine ici? Sokobotali les la sale mouvement na ewana, ya a salité. Ba sale lié mouvement wana. Mouvement. Si vous regardez derrière ici, donc, dans le mouvement, il y a Rwanda, à la tête, chef politique, Yewana Bertrand Bisimo. Quand il amène son mouvement, Nanga est le président, Bertrand Bisimo, le vice-président. C'est comme ça, Félix Tshisekedi confirme que Nanga, là, c'était. Et coquille vide. Mokolo mouvement wana, batindiye, babike no vanda wana,
ça la mouvement. Yo lelo na Kinshasa, na peut-être un autre coin du pays. Kendo ça la mouvement na yo. Ok, nous voyons que c'est M23 que non. Vous êtes ici en RDC depuis 30 ans. On a sali mouvement na nga, na ye. Bo changa ma boko toza la, toko ma mouvement moko. Mais quand on na ebite. C'est pour montrer. A meki ko ko sa biso, a vi biso ka ba na mike ka. Or que, alors que plutôt, c'est quelque chose de. Donc, Mbappé, c'est à repérer ça. Alors, maintenant, l'homme continue en disant, cette méfiance envers les Rwandais fait que les Congolais ont du mal à s'approprier de notre combat. Donc, méfiance aux Congolais Bazanango contre les Rwandais. Et ça dit que le mouvement, il y a Nanga et Zoa Echec. Habito, Dieu a des dieux à battre, puisque les gens savent que vous êtes appuyé par les Rwanda. Et tellement que vous avez méfiance dans le Rwanda, il y a un bisou tout, Tobimi Mabe, moyen tout résister, ma casse, exact. Puisque vous avez méfié dans le Rwanda, dans le bisou. Alors, il continue en disant. Alors que une alliance permet une ingérence étrangère. Bon, résultat, nous avons un peu de difficultés pour recruter et pour recruter des hommes et puis qui peuvent s'allier à notre mouvement. Quand on prend les contrôles d'un territoire, là il continue en disant, quand on prend les contrôles d'un territoire, il faut des hommes pour les contrôler ce territoire-là, et des hommes à déployer sur d'autres fronts. Donc, Batemoussous Batekala dans le territoire, Batemoussous Batekala dans le front. Nous n'avons pas de gens pour gérer toute cette question et nous avons beaucoup de difficultés. Alors, Nanga Akei, ni Munduki, ni Biske Bate, ni Bapesie Kuna. Batunde bapesie kuna. Donc, bazan na invité comment ils vont. Na loka Henri Maji abima a expliqué bis. Na na mona ba rebelle o ba lingba ya ko marcher na Kinshasa musala ra ba onkaka ba téléphone. On arrive. Hein? Tension ça va, on arrive. Le RDC théâtre ça. Rebelle tu parle avec ton arme. O rebelle azo ke no bata manasima banzete. On arrive, hein? Ça va, Kinshasa? Depuis, on arrive là, et comment est-il à Jésus? Il suffit qu'on arrive bientôt, 2000 ans maintenant. Alors, maintenant, il continue en disant, donc, chers amis, il continue en disant, bon, ici, je pense que ça doit être quelque chose de sérieux. La personne dit que nous envisageons maintenant aller au Katanga, empêcher, puisque c'est une région riche, c'est cette région qui renforce le pouvoir de Félix Tshisekedi. Nous voulons aller là-bas pour empêcher à ce que Tshisekedi ne prenne pas la richesse du Katanga et faire de lui aujourd'hui un homme riche. Ça, c'est ce qu'elle dit là. Vous allez vous rappeler que Nalakisabino, un groupe armé, soi-disant un groupe armé, et bien côté Katanga, non, nous soutenons Corneille Nanga. Groupe Moussous, bon, Nalingakoutou Laksabangote. Moussous Bebima, non, lui, c'est tout ça, groupe armé, nous soutenons Corneille Nanga. C'est là que l'idée est comme elle lui saute le but. Dans nos. Bah, secret, Nabiso. Le président de la République ne s'est pas trompé. Il était précis en disant ceci. J'ai retrouvé la vidéo. Il était précis en disant ceci. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les
les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais seigneurs, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. J'ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens. Il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc. Félix Tshisekedi n'a pas hésité. Félix Tshisekedi n'a pas hésité. Bah, information d'un des autres L'AFC a commencé. Les ramoni que na est azana place te a commencé à envisager les Katanga. Mais Katanga, vous voyez que les leaders y a Katanga baza soki trois au baza na rébellion. Bon, tout va d'abord deux. Nous avons Raïs, nous avons Moïse Katumbi. Ce sont des leaders, il y a Katanga. Personne ne va les refuser. Ajouté à cela, nous avons un militaire déserteur aujourd'hui, John Numbi. Ajouté à cela, les autres, Baza Mwamingio, Baza Bangoï Mulunda, qui ont toujours... chercher à faire. Corneille Nangaa avait déjà commencé à prendre des contacts ici. Mais si quoi ces contacts ici, je ne souhaite pas dire ce que quelque chose sur laquelle je ne suis pas sûr. Était-il déjà, avait-il déjà demandé l'adhésion, il y a un leader de là, avant de descendre au Katanga? Si oui, Tshisekedi Félix a raison. Sinon, il ne peut pas aller commencer un mouvement dans Katanga sans l'avis des leaders à Katanga. Par exemple, c'est Babita, Koyate, puisque là nous serons tous vus. Où sont Bakoloba? Yakanao, mais Katanga, comme on a été. Je pense que les leaders responsables qui veulent la paix dans son pays, dans sa province, il dira non, ce n'est pas le moment. Reste seulement au Katanga. Tikabiso nanuna. Non, à l'est, Tirabison en Okatanga. Mais mes informations confirment. Je souhaite que vous puissiez couper ça. Mes informations confirment que depuis le 15 avril, Corneille Nangaa a commencé à recruter au sein des FARDC dans les Katanga. Depuis le 15 avril, ici j'appelle le général Kapend. Général Kapend. Et les autres, bon, les autres, je n'ai pas confiance. Les autres, je n'ai pas confiance. Parce que la plupart, il y a Obazakona. Vous savez que quand les Rwandais se réunissent pour apporter son appui à Corneille Nangaa, ils ont mis la carte sur la table et ils ont cité cette province qu'ils doivent prendre pour les comptes de AFC, notamment na Tanganyika. Tanganyika, ils en ont est. Tanganyika, ils en ont Katanga. Je pense que vous. Peut-être vous n'avez pas. Moi, je garde tout. Alors, et ils devraient commencer déjà. Ils ont prévu quelque chose déjà là-bas. Je pense que vous vous rappelez de cette vidéo. Nasina Lobaki Nabi, n'a pas sa bino vidéo en mon bimba, vous allez en haut, pour que bon, on a que corne, n'a pas à Rosarana Esprit Nabi Soti. Ok. Quand on parle de l'Alliance Fleuve Congo, donc au coup Hadi, au coup Fleuve Congo, Kassé, donc il manout. Au Haro Bourou. Ok. Ni territoire fite kilometre karibu humi maganari ndwi mirongo ine na gatanda tu na maga. Donc 746,651. Hakawa hafira abaturage miliyoni mirongo itatu n'eshanu n'ibihumbi maganana cumi na biri ndwi na magana atanu na gatandatu.
Tugereranije nayishizeho oxygène nayishizeho wayishizeho bari kuyibona yep ngiyo biraje hagira ntago bita byikora direct muhi yako ka. Je ne souhaite pas faire la promotion de ces gens ici. Bavandi na carte RDC, ils coupent cette province qu'ils vont donner à Corné Nanga, notamment Tanganyika, Chopo, Ituri, Otuele, ainsi de suite. Et vous acceptez ça. Cette vidéo est Zamoulaï. Bavandi, Vin, Pembeni, Balobito Bunda, tout ça là, tout aux autres, c'est Corné Nanga. Et plan, il y a Tanganyika. Quand j'ai montré ça le premier jour, je pense que c'était vers le début de cette année, voici les plans. Il y a un côté média et Rwanda. Et c'est comme ça qu'il y a une réunion. Voici. Alors, quand les en avril, ils ont commencé à recruter. Ils négocient, ils font les plans. Nakata armée. Mais je demande na militaire Nabiso. Ma pinga na biso, quitter pour aller exécuter un plan macabre comme ça. Papa na yo, mama na yo, bana, basi, bakoko, il y a RDC, on dit manage na yo. Oya kozwa une partie de la RDC, ok, non, pe sa na ba Rwanda, puisque Corneille n'a pas demandé de le faire. Est-ce que vraiment ça peut passer? Là, je pose la question à un officier, oye Corneille n'a pas yekoukouta na zamba, azo défendre mboka. Donc, qu'on ne vous amène pas un discours, il y a Lokuta, Bisotosa, Boitoro, Memelabino, Mani du ciel, Corné Nanga, ils étaient ici. Ils dormaient à Kingakati. Et Sika, les numéros 1, il y a armé à Zalaki. Et vous avez été ici, image et tambola dans le monde de Mobimba, militaire Azola Tamabe, Zaka, militaire congolais, Babote, Bazotongaya, et Pastoka, Zaka, Bote, militaire congolais, que Nanga, Nanga vous ment. S'il vient chez vous, c'est pour vous demander que tous les gens qui province en province na Rwanda, d'abord après, biso d'abord tous les gens. Ne tombez pas dans un tel piège. D'ailleurs, il n'a même pas comment dirais-je, il n'a même pas le contrôle de la situation. Puisque tout est travaillé là-bas. Ma PCI exécute. Même s'il va marcher sur le Kinshasa. Bah, on peut se pouvoir. Bah oui, tu es venu me outa ouye, au coup de mise au tolala na zamba, tolali de mois et de jours, ouya ne retourne bon, c'est quoi, comment mon compte n'abis. Voilà, il viendra, il a déjà commencé le recrutement, ne lui donnez pas votre chance. Bon, parce qu'il est une abinote. Je pense que c'était un message que je voulais demander. Et à nous, qui ne prenons pas les armes, biso ya biso arme yango, yanga yango, Corné Nanga est complètement couille. Ce qu'on a dit discours, na yewana, boka na ba réseaux sociaux comme non. Je ne veux pas mettre ça ici. Ce qu'on a dit tous ces plans ici, il est déçu. Merci, félicitations à Bana Est. Boye bisananga na batunaye. La plupart basa ya Congo central, basa ya bon, na moni équateur té, na moni ninit. Na moni. Donc ce qui bazali, boye bisabango que to sungi yo quand même déjà un temps va faire ta rébellion là-bas. Akende aya ko sala rébellion peut-être na Kasai na Bandundu na Congo central to équateur to monaye parce que l'air boko sunga yekuna il va encore tuer vos filles, il va encore tuer vos enfants. Oh donc ba koufa depuis, comment dirais-je, vous avez perdu depuis maintenant 30 ans. Sur tout ce que je dis, Corné Nanga n'a aucune raison, aucune, ne lui donnez pas cette chance là et dans la bande ko na biso ya Katanga. Corné Nanga viendra vous mentir. Les plans qu'il a dans sa poche, c'est un plan rwandais. C'est ça que je vous ai montré. Olongo, Olobino, Nakende. Bon, Kende, on se posera des questions. Chers amis, je pense que je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Est-ce que vous m'avez dit quelque chose? La suite, toute tentative de renversement. Ah oui, ça c'est bon. Qui a dit ça? Ça c'est Jean-Pierre. Alobi, la suite, il y a article 64. Toute tentative de renversement du régime constitutionnellement constitué est une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Il est puni conformément à la loi. Nangayo, yaga opusan.
si tous les Congolais, tous les gens qui mènent à Banzala na biso, tous les problèmes, yo y a la biso de non, toke neboye tout ça. Se nga nana na bato ana wolo bake, na Rwanda n'y a pas que Paul Kagame. Bino bozo yen sangay ke na kende, ko longola o na pouvoir. Bon, yo moko koutu, maye les athe. Tu ne peux pas nous poser cette question, ba obo mayo. S'il faut dire qu'il y a quelqu'un qui détient le pouvoir par la force, il est de l'autre côté. C'est lui que tu sers là. Il le détient par la force. Il n'est pas le seul à faire 30, 40 ans au pouvoir. Au lobby donc, na ba Rwandais, moussous bazate. Intelligent, ou bakoui ko kamambo ka loko laye. Ko le gaye koutou. Commence par leur dire ça. Toi, tu les laisses au numéro que vous faites la mission, là que nous allons au Kuna, puisque il est. Est-ce que Mouto est à Samayel vraiment? Corné n'a pas à Samayel vraiment. Hein? Bon, dans ma limite, mais Yaka, tu nous trouveras moi au front toujours. Nassan de Toyoka. Et les gens qui m'écoutent, des milliers de personnes ici qui m'écoutent, on peut se chanter. Honoré nous a déjà expliqué. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment pour avoir accepté de partager cette réflexion ce soir, Corneille Nanga. Si vous voulez lire cette interview, il y a Mobimba Boko qui est en Jeune Afrique, Boko qui est dans Le Monde. Toi, tu as Ibi, Kangi Mutumoko, à se confier dans le micro à l'Obi. Mais il faut que il faut dans la souris chalo parce que donc c'est ça. Donc un aveu d'échec. Croyez en ce qu'on aurait vous dit puisque na kosa nanga ite. Alors nanga auta chebiso na wamba. Ah territoire ya wamba. Auta chebiso na wamba mais soki atie maboko na ye na bata Wamba Togolia Yebobes. Naebi Wamba bien. Omoni paroisse. Paroisse Mogueza na soko longo Isiro Wamba. Ou l'équipe direction ya Nyanya. Donc Wamba Ezawana ti ou reako bima kote ya. Koto ya. Moto ya groupe armé à Zalakwana ya Makasi. Raïa Mutomboke, quelque chose comme ça. Je connais place wana. Naebi que population ya Wamba. Corneille Nanga, Wamba ba ebisho babi, kende ba ozela yo. Bope se langa yi ba, nazo salue ba prêtre nanga nyonso, na ba sœur, na ba abe nyonso ya diocèse ya Wamba. Je vous aime beaucoup, puisque vous êtes très hospitaliers. Soko ke ikuna, la sokola la izawana. Ba yamba ka moto nyonso ki tokba na Wamba. Alors, maintenant, olobi exact, ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai dit la vérité. Alors, ils ne sont pas intelligents. Bada intelligent. Bada Mayelite, franchement. Ils ne sont pas intelligents. Là, c'est franc. Ils ne sont pas intelligents en commençant par lui, Nanga. Nanga a joué déjà à Koro Yabatuna Yekono. Vous vous rappelez que ma tenue camion Mobimba Ibunga na des barrières, la Kasumbale, c'est une ville. Vous vous rappelez, na Betele Bino du Solo, camion Yekoti na Boutou. Bazola qui sera mieux, ils en ont tenu na kati. Na tongo ba tin de batubo ba ke nroloka. Porté disparu. Na betela bino ni solo que chef de l'État jour moussous. Wana eza ba na ba top secret. Ba yemse une maison avec des armes. Casse d'armes ya munene. Voici les détails, voici des photos. Jete longwe na Kinshasa le jour suivant. Bako maboye na katanga tout la place en haut porté du Paris. Donc tellement que ba mosus batia oye bazao les leaders sont là, ils sont les metteurs en scène de tout ça. Je ne pense pas que Corneille Nanga peut venir dans les territoires, donc dans les grands katanga sans l'accord de bon, je ne confirme pas. Je mets encore ça au conditionnel. Sans accord, je dis bon, peut-être ça peut arriver. Mais Félix Tshisekedi a des désinformations. Bon, qu'est-ce que je dis? Félix Tshisekedi a des informations vraies. Que c'est l'œuvre, il y a Raïs.
Alors, je vous aime bien. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors, je pense que vous êtes nombreux qui commentez, c'est bon. Et puis, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que, HK, je vous ai convaincu que vous n'avez pas droit de suivre un certain Nanga derrière, puisque tout a un emballage à Rwanda. Moi, je ne suis pas prêt à conserver le Rwanda maintenant. S'il vous plaît, moi, suivez mon exemple. Je ne suis pas prêt, de près, ni de loin, ni de Nabutu, ni de Namoï, je ne suis pas prêt. Vous aussi, vous êtes prêt? Ah, ce qu'on a vu, oui. Donc, j'ai dit que vous allez le repousser. Bon, s'il y a un problème entre nous, tous les rangs entre nous, ça va passer, mais pas aller côté Kanda Nabisokuna. Faites comme moi. Quelqu'un qui me dit, tu sais, l'injustice, tu étais voté, tu avais un siège. Ça, c'est de l'injustice. Il faut que tu te viens. Naibise Nabi, numéro na yon azotina wana Kinshasa. Natina numéro na yon service de renseignement. Nabi, malasou, obe nga yon kenaya, Nabi loko, Nabi na bouzo doan. Toi, tu crois que, soki na sa député, soki na zui siège, c'est la fin du monde pour moi. Oti kaba na wa. Otika mwachi, otika activité tozo sala. Ok, nena zamba, na malili, na ona yeka ko reklame siyezi na ngayi, nasima minduki. Munduki wana yuti na Rwanda. Na ibise mbala suka, na ofunda yoda yeri, na zui numero, na tini na Kinshasa. Alors, merci beaucoup. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Nzambe, nanga batele bino, commencez un très bon week-end. Je vous aime bien et prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Protégeons le président de la République, protégeons la RDC, protégez cette émission et protégez-moi aussi, parce que combat est à ma casse. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Je vous aime. Au revoir. Nelson Yantila, Coco Yasuka Moka. Ashka, Ashka, Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este, bobatelama, bobatelama, nanzameo. Bamamana este, bobatelama, bobatelama, nanzameo. Oakuna na yeturi, bobatelama, bobatelama. Sisi Lubo ya kashama Motema pasie Banabu na kanae Zambe alola Abate la bina Zambe Kostan dima Beta 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 matusa Beta matusa Infarctese L'équipe en akasi La police nationale Mama yo yo, Chier, Mama, Christian Chiwewe, le Jenny Jenny, patriotique. Ah, Kembo, ah, Kembo, oh. Tomalanda, akongo mongali. Ma
Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye baka lokuta Ebo makazoto Nana leli yo bolingo ya papa ye Papa Batela zoto ye Yango ezali tempelo ya molimo Molimo monsanto ye ¡Vamos!